Jean-Charles-Roi, dans un parc qui est dans un château, ça passe. Et on est là pourquoi? On est à Monceau exactement, comme ça je vous précise. On est là pour un défilé qui s'appelle Alta Fashion. Le but de ce défilé, c'est de montrer au fond qu'il n'y a pas que dans le nord du pays, en gros, qu'au niveau du stylisme, ça marche. Oui. Vous verrez qu'il y a des étrangers aussi, je crois qu'il y a des... Il y a une majorité de francophones, pas mal qui viennent de Saint-Luc, Tournai, en fait, etc. Des stylistes, il y a même des autodidactes. Je vous propose de faire un petit tour, de rencontrer 2-3 personnes et de regarder ce défilé. Vous voyez, il y a du bon partout. Et puis là, à côté de moi, j'ai réussi à coincer quelqu'un qui est très occupé. Vous allez voir ce qu'il est occupé à faire. C'est José. Bonjour José. Bonjour. Alors, José, la première question, c'est d'abord, est-ce que tu es autodidacte? Tu as fait une école? Comment est-ce que tu es arrivé à ce métier? Tout. C'est mon hobby, en fait. Je me suis lancé là-dedans vraiment par hasard, par le goût de la musique et les matières de récupération, surtout. C'est du carton, en fait. C'est du Bristol. On achète ça par feuille. Je les découpe, je les peins, je les assemble et ça fait des habits. Hein. Comment est-ce que tu appelles ce que tu fais? Tu crois que c'est des vêtements? C'est des accessoires? C'est du mode... Pour moi, ce sont des vêtements, oui, absolument. C'est spécialement pour des danseurs ou tout ce qui est nocturne pour le moment. Et vu le style de musique qui s'étend pour le moment, donc la house music, c'est adapté. Je dis, oui, ça pourra se mettre dans un futur. Oui, bien sûr. Ton inspiration, on l'a compris, boîte de nuit, musique, ça se fait aussi avec tes amis? Oui, absolument, c'est plus les jeunes, même en boîte, que je peux côtoyer, qui me lancent vraiment sur la voie, oui, absolument. Alors Dorothée, bonjour. Bonjour. Toi aussi, forcément styliste, forcément tu es dans les 12 qu'on a choisi. Comment est-ce que tu es arrivée ici? Comment tu as été choisie? Ben, au fait, c'est par mon ancienne école. On m'a dit qu'il y avait un concours qui se passait et un parcours, donc j'ai pris contact. Je la fixe comme ça et on tourne dans les flèches. Quel âge à peu près? 22 ans. Oui, un âge où je peux encore le demander. Toi, ta spécialité, c'est plus quoi dans le stylisme? C'est ce que tu aimes travailler? Et j'ai voulu travailler une collection mi-saison, donc du passage de l'hiver au printemps. Ça m'intéresse ce que tu dis parce que tu travailles l'entre-saison, ce qui se fait presque qu'en Italie d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Au fait, j'ai voulu aussi travailler tout ce qui est ceinture. Pour moi, la vie, c'est une contrainte quotidienne. Et justement, on a envie de se libérer de ça. Et le fait d'enlever justement une ceinture et d'enlever une couche, ça se fait pour se libérer. Et donc, arrivé en dessous, justement, il y a encore un pull, mais c'est que des manches, donc c'est encore pour se libérer. Et justement, j'ai fait des t-shirts en maille, mais à courte manche, et au-dessus se superposent des manches. Donc, c'est-à-dire que si on a chaud, on n'enlève que les manches, mais il reste toujours le t-shirt. C'est vraiment quelqu'un qui a pensé au temps belge. Parce que chez nous il fait beau et puis il fait, je dis ça pour tous ceux qui nous regardent de loin, chez nous il fait beau et puis 5 minutes après il pleut à inverse. J'ai 18 ans aujourd'hui. La confiance et la sérénité. C'est ça que tu représentes? Voilà. Ça y est, je suis une grande fille maintenant. Licorne, mais c'est ça, je suis la licorne de la confiance, de la sérénité. J'ai pris la reine de la nuit. C'est celle qu'on vient de voir qui a fêté 18 ans. Et ça, c'est la Vierge. C'est un personnage qui représente la Vierge, la femme, la déesse mère. Il a la symbologie de la couleur. De la couleur? Oui. Par exemple, j'ai mis les cuivres. Ouais. Parce que ça représente la communication, c'est le canal. Les cuivres, c'est conducteur d'énergie. Ouais. Et l'or, ça symbolise le côté masculin. Et l'argenté, c'est le côté féminin. Comment est-ce que tu es arrivé ici? Comment est-ce que tu as été choisi? Par les magazines, en fait. On recherchait des stylistes, des jeunes créateurs. Je me suis présenté avec des photos à mes mots. Et j'ai été retiré au sort, alors. Alors, heureux, je suppose, le jour où on t'a appelé? Très heureux. J'ai combien, toi? Est-ce que c'est pas un peu aujourd'hui l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression que ça bouge, on est du côté de Monceau, il y en a 11, on stylise ou 12 comme tu nous as dit, plein de jeunes, mais finalement il n'y a pas tellement de choses qui se font au niveau de la mode en Wallonie. Non, rien du tout. Quand on a ici.
tu penses qu'une journée comme aujourd'hui, bon, il y a des gens dans le jury qui sont des gens qui connaissent bien leur boulot, hein, le métier. Si jamais tu arrivais à avoir un prix ou quelque chose, ce serait un bond en avant pour toi? Oui, exactement. C'est toujours une preuve. Hein. On a toujours besoin de ça. Ça encourage, ça stimule, je crois. Vas-y. Non, rien. Ça, c'est le début. Il ne savait pas qu'on allait tourner. Bonjour, monsieur Watley. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le président du jury, celui que tout le monde attendait, c'est lui. Qu'est-ce que ça te fait d'être président comme ça auprès de tout jeunes qui ont la pétoche de te voir? J'ai accepté parce que je trouve qu'il y a tellement peu d'événements en Wallonie qui se passent que je trouvais qu'il fallait encourager. L'initiative est déjà merveilleuse et je pense que s'il y a des jeunes qui peuvent s'exprimer, il faut soutenir, que l'événement fasse sa petite maladie, ce sera mieux l'année prochaine et mieux après. Et donc je trouve que si je peux donner un petit kick... Tu le fais? Je le fais. Toi, c'est prêt à porter, donc tu as presque envie de dire je peux aller montrer ça à quelqu'un et ça se vend demain. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, ici, c'est des prototypes, mais il faudrait les retravailler de manière à commercialiser plutôt ça. Si tu me parles de ça, je suis obligé de parler d'un truc, c'est le pognon. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'argent pour... Parce que ça coûte de l'argent. Très, oui. Ben, de ma poche, en espérant que justement... De toute façon, ceux qui ne se bougent pas, ils ne pourront jamais rien avoir. Donc ben, moi, je me bouge et j'essaie justement d'avoir quelque chose. Quels vont être tes critères, toi, ici? C'est la finition, c'est le talent, dans le sens... C'est plus l'idée de talent. Je pense que la finition, ça vient avec le métier, comme dans beaucoup de métiers. Ce qui compte ici au départ, je pense que c'est l'idée et la notion de style que déjà des jeunes peuvent avoir par rapport à leur travail. Canaliser leur énergie sur un truc et l'avoir développé à fond plutôt que d'avoir été un peu tous azimuts. Ça, je pense que c'est le plus important. Comment ça se passe dans ta tête maintenant, allez, à 25 minutes du défilé? C'est brouillé pour le moment. Ouais, la trouille, là, toujours, je crois. Dans le métier, ce serait quoi? Habiller qui ou faire quoi? Habiller qui? Un peu tout le monde. Mais ce serait même pas encore des stars ou quoi. Ce serait plus des gens tous les jours, je crois. Ouais.